Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. C'est parti pour une vidéo à action de Servon et nous sommes samedi 22 janvier 2022. Hier, je me plaignais qu'il n'y avait pas de nouveaux coussins. Alors, ce n'est pas des nouveaux coussins, mais c'est le retour de ces coussins avec les dessins dorés. Donc, on a le noir. Donc, ils sont à 5,95. Le gris. Ils font 40 cm sur 40. Hein. Et le bleu, c'est un vert bleu. Bleu. Très joli celui-là aussi. 5,95. Le retour aussi de ce petit meuble de rangement rond à poser. 9,95€. 9,95€. Il n'y en a plus, mais normalement, ils existent aussi en doré. Et la nouvelle étagère mur, alors pour le coup, celle-ci elle est nouvelle par la couleur, j'ai jamais vu un noir comme ça. Alors 7,95€, je vais faire comme ça, vous allez mieux la voir. Alors cette étagère, je l'ai vue partout. On peut la mettre en déco dans un couloir, dans un salon, dans une chambre. Je l'ai vue dans les toilettes aussi, certains ont mis leur papier toilette, alors il ne faut pas qu'il soit trop gros. On peut la mettre dans une salle de bain pour mettre les produits. Alors pour l'instant, je la vois qu'en noir, je ne sais pas si elle a été faite ou elle sera faite d'autres couleurs. Elle est à 7,95€. Elle fait 48 cm par 12 par 29. Ah oui, j'ai oublié, idéal aussi pour les épices. Porte-manteau, 7,95€. Il est trop beau comme ça, ce bois avec le noir métal. 7,95€. Il fait... Bon, il a 5 crochets, 56 cm sur 13 de hauteur. Oh bah, je suis contente finalement, pas mal de petites nouveautés avec cette sous-assiette en rotin. 2,99€, elle fait 38 cm de diamètre. Tu vois qu'il y a 3 couleurs. Voilà, les deux autres couleurs. Donc on a un bois un peu plus foncé que l'autre. Ou un bois plus clair que l'autre, comme vous voulez. Donc 2,99€. Tiens, on a les corbeilles à pain, le même style que les. J'ai l'impression que c'est le même style que les sous-assiettes que je vous ai présentées juste avant. Là, on a les deux 2,69. Donc, on a noir et couleur bois dans le même lot. 2,69 les deux. Alors, j'ai un énorme doute parce que j'ai l'impression qu'on les avait avant, mais vendus à l'unité. Le retour aussi de ces pots à provision, donc avec le couvercle noir ou en acacia. €1,99. Les mugs à café avec le bord doré et des jolis dessins. €1,15. La rose. Et cette troisième couleur. Tiens, dites-moi lequel vous préférez, rose, bleu ou bleu ciel. Alors toujours pareil, on peut mélanger, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre 4 comme ça, 4 comme ça ou 4 comme ça, vous pouvez prendre 3 couleurs différentes. Hein. Les nouveautés de la semaine hein, avec cette planche de service ou de découpe en bambou à 4,49€ et cette planche à servir avec les poignées à 2,99€. Chemise avec le bouton à pression, 42 centimes, pour ranger vos documents ou simplement quand vous avez un rendez-vous vous permettre de mettre les documents essentiels dans une pochette pour les protéger. 42 centimes. Et on a celle-ci. Alors celle-ci, il n'y a pas de motif, mais il y a normalement un petit compartiment en plus. 39 centimes. Côté carnet, on a le to-do list qui est revenu. À 89 centimes. Le notebook avec le petit cœur à 1,99€ ou le love et le stylo sur le côté. Les planificateurs 1,99€. On a ces nouveaux carnets de notes gaufrés avec l'élastique 1,99€.
Alors, je voulais vous montrer les dernières pochettes, je vous les ai montrées dans ma vidéo d'hier. Vous savez, les roses, vertes et blanches, avec un petit dessin doré. Malheureusement, j'ai une de mes abonnées qui est passée juste avant moi et il n'y en a plus en rayon. Je te fais un gros bisou d'ailleurs. Merci beaucoup pour ta gentillesse. En tout cas, elles sont vraiment bien, elles sont en rayon trousse, papeterie. Et ah bah si, j'en vois en haut. Il reste celle-ci, alors je ne sais pas du coup, je vais aller voir si elle les a vues ou pas. Il reste celle-ci et elles existent en blanc et rose. Donc j'ai rattrapé mon abonné, comme ça je peux vous montrer la rose et la blanche. Voilà. Donc mon abonné avec les pochettes, c'est Véronique. Merci beaucoup Véronique pour ta gentillesse et puis bah à très bientôt. Si j'allais oublier la nouveauté aussi dans les carnets, c'est ceux-là avec le petit cœur, la petite clé, 1,99 €. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a cette couleur. Là. Il y a le rose, il y a le vert et j'ai vu derrière qu'il y avait un. Eh ben non, c'est un autre modèle. Voilà, donc 1,99 €. Les dévidoirs et porte-rouleaux. Il reste encore les paniers de rangement sous étagère. Donc on peut, alors là je peux pas vous montrer, mais voilà, en fait on peut mettre comme ça sur au niveau de l'étagère, ce qui va vous créer un espace en plus. 4,49 €, on peut les mettre dans toutes les armoires, parce que souvent on a les photos, ah non, la salle de bain aussi. On peut les mettre aussi dans les étagères de cuisine. Hein. Ça vous fait une petite étagère en plus, parce qu'en général, dans les placards, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a toujours un grand espace qu'on peut pas utiliser, et ça peut permettre d'avoir de l'espace en plus. Alors hier, je vous ai montré toute la gamme de vinaigre blanc qu'on peut trouver ici. Et j'ai cherché le bicarbonate de soude parce qu'en général, c'est un très bon allié avec le vinaigre pour faire du nettoyage. Et donc ici, il y a du bicarbonate de soude, 1,59 €. Moi, j'utilise beaucoup pour les odeurs du frigo et de la poubelle. En général, je saupoudre ma poubelle avant de mettre mon sac. Parce que parfois, il y a des petites fuites, donc du coup, ça sent pas très bon. Et j'en mets aussi dans une petite coupelle, mais il faut que ce soit une coupelle un peu élevée. Ça peut être, vous savez, un ancien pot de yaourt en verre. Et je mets ça dans mon frigo et c'est vrai que ça neutralise pas mal les odeurs. Enfin, plutôt les mauvaises odeurs. Tiens, c'est une nouvelle gamme. Éco-nettoyant universel en spray. Toilette et salle de bain. Donc 1,59 €. Alors, je ne peux pas vous donner de retour parce que je ne l'ai pas utilisé. Et en général, quand c'est une nouveauté... C'est rare d'avoir un retour directement. Donc 1,59 €. Après, il y a une autre gamme qui n'est pas éco, mais c'est celle-ci qui est plus connue. Donc dans ce cas-là, deux produits qui est chez Action depuis peut-être, je dirais, moins 3 ans, même peut-être un peu plus. Bon, après, il y a des nouveautés qui sont venues se greffer, mais je sais qu'il y a des bons retours. Donc il y a celui-là pour la salle de bain. Il y a celui-là pour la cuisine. Celui-là pour toutes les surfaces. Et d'ailleurs, une fois, j'ai rencontré une abonnée qui m'a dit, mais alors du coup, je ne sais plus la couleur, qu'elle l'utilise aussi pour les vitres et que c'est impeccable. Après, dans cette gamme, on a aussi les désodorisants, 99 centimes. Patchouli lavande et ça doit être lilas et vétiver. Et on a aussi le liquide vaisselle à 99 centimes. Alors, les produits d'avant, ils étaient à 1,39 €. Vous voyez, par contre, moi, cette gamme-là, à part le liquide de la vaisselle, je ne suis pas trop fan. Pas parce qu'il n'est pas bien et tout, c'est je trouve que c'est trop parfumé. Alors justement, ces produits-là, vous êtes beaucoup à l'aimer justement pour ça, et bien sûr pour son effet nettoyant. Et donc moi, le seul produit que je prends, c'est celui-là. Mais comme je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, on est tous différents. Soit parce que moi, je suis pas, j'aime pas un produit, que forcément, il n'est pas bien. J'insiste vraiment là-dessus, parce que des fois, je vais vous donner mon avis, et c'est un avis qui va être spontané. Mais je veux vraiment que vous ayez votre propre avis, sauf bien sûr quand c'est un produit qui est vraiment pas bien, qui ne nettoie pas, là je vous donne mon avis, mais dans ce cas-là c'est un avis partagé, c'est pas juste une histoire de goût. Les ampoules LED, alors celles-ci elles sont très jolies, alors, je sais plus, je crois que c'était avec Sabrina la dernière fois, on discutait de ça. Alors ces ampoules elles sont très très jolies. Mais c'est vrai que pour moi, dans un salon, c'est pas top parce que la lumière, elle est vraiment assez jaune. Donc c'est plutôt une ambiance un peu tamisée. Donc très jolie, mais je pense plutôt idéale
dans une chambre ou dans un couloir, ou pourquoi pas dans une petite lampe à poser, vous savez, un peu avec un effet rétro. Donc 4,99€, on a celle-ci aussi, et celle-ci, mais en tout cas, elles sont vraiment très très jolies. Tiens le retour de ce spray buccal à la menthe, 99 centimes. Les grosses boules anti-stress, alors ça, succès total à la maison, et même pour moi, j'en ai gardé une dans la voiture du coup. Et c'est un 99, donc c'est une balle anti-stress. Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal. On est un peu stressé et tout, ça permet vraiment de déstresser. Alors, ça marchera peut-être pas pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et mes enfants, j'en aurais pris une, mais ils l'utilisent plutôt voilà, comme stretch et comme balle rebondissante. Tiens, les petits œufs surprises. Je n'avais pas vu ceux-là, les Rainbow, sinon on a les Cars, Reine des Neiges, Spider-Man. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de figurines, hein. C'est vraiment des petits dessins, des petits autocollants. Toute la famille Peppa Pig, 2,99€. On a ces animaux, les DreamWorks peluches. Drôle d'animaux doudou, 2,99€. On a celui-là, celui-là. Oh, celui-là, on dirait les trolls. €2,99. Nouveauté avec ce lot de 4 masques peel-off. Donc on a cerise, concombre, fruit de la passion et ananas. Tiens, c'est un masque, je dirais lifting. 89 centimes. Il y a eu il y a quelques mois, même je pense années, parce que je crois que c'était l'année dernière, ou un peu plus d'un an. Sorte de masque comme ça, ça s'appelait V-Zone. Donc là c'est V-Line, hein, c'est plus ou moins pareil. Donc je pense qu'on a cette partie-là qui est plus... qui va raffermir, qui va tirer un petit peu, je pense, les pommettes. 89 centimes. Dedans, il y a de la polypeptide et l'acide hyaluronique. Hein, je vais y arriver. Bon, plutôt contente de cette vidéo, j'ai vu pas mal de nouveautés. J'espère qu'elle vous a plu. On termine juste par un classique, le Kit Kat. Donc on a le Kit Kat à 1,28€, les 3 paquets. On a les grands chunky au chocolat blanc à 1,89€. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.